Cordial bonjour à vous tous, frères et sœurs, autant à ceux qui sont présents dans cette cathédrale qu'à ceux qui sont à la maison, qui nous regardent à la télévision ou sur la toile Internet. Nos cœurs sont dans la joie, puisque c'est le temps pascal, et nous traçons sur nous le signe de la foi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cette messe est offerte par Madame Diane Lompré pour toute la famille. Rendons en ce début de célébration nos cœurs accueillants à la miséricorde de Dieu. Seigneur, descendu du ciel pour notre salut, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, mort en croix pour nous donner la vie, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, ressuscité et monté au ciel pour nous conduire au Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Unissons nos voix pour chanter la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, toi qui enlèves le péché du monde. Reçois notre prière, toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. La gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu as offert aux hommes le sacrement de Pâques pour les rétablir dans ton alliance. Accorde-nous d'exprimer par toute notre vie ce mystère que nous célébrons dans la foi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, après la guérison de l'infirme, comme Pierre et Jean parlaient encore au peuple, les prêtres suivirent et avec le commandant du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés de les voir enseigner le peuple et annoncer en la personne de Jésus la résurrection d'entre les morts. Ils les firent arrêter et placer sous bonne garde jusqu'au lendemain, puisque c'était déjà le soir. Or,
beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants. À ne compter que les hommes, il y en avait environ 5 000. Le lendemain, se réunirent à Jérusalem les chefs du peuple, les anciens et les scribes. Il y avait là Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui appartenaient aux familles de grands prêtres. Ils firent amener Pierre et Jean au milieu d'eux et les questionnèrent. Par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison? Alors, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara: Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts, c'est par lui que cet homme se trouve là devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenu la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Donne, Seigneur, donne le salut, donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Dieu, le Seigneur, nous illumine. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Alléluia, alléluia. Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit: « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent: « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent
et montèrent dans la barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à une centaine de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposés là, un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153, et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ? » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la troisième fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous pouvons certainement nous reconnaître comme Église dans cette page évangélique qui vient d'être proclamée. En effet, ce qu'autrefois ont vécu les disciples, nous le vivons toujours aujourd'hui. D'abord, nous sommes dans la même barque ensemble, avec Pierre, avec son successeur. La pêche, durant la nuit, est infructueuse. De même, nous aussi, nous pouvons travailler dur à la mission de l'Église, sans percevoir les fruits. Jésus est sur le rivage. Mais on ne s'en rend pas compte. Jésus est présent à tout ce que nous vivons, mais nous ne ressentons pas sa présence. Mais il est là. À sa parole écoutée, tout change. Lorsque notre cœur s'ouvre à la parole du Christ, ne sommes-nous pas changé, notre cœur n'est-il pas tout brûlant? Le filet est rempli, mais ne déborde pas. Oui, notre communauté chrétienne tient toujours, malgré l'épreuve de la pandémie, et même peut-être grâce à cette épreuve, nos communautés sont vivante. Et finalement, tout se termine dans le repas avec le Seigneur donné par lui. Et oui, le sommet de notre vie chrétienne, c'est bel et bien le repas d'action de grâce qui nous réunit autour de Jésus, l'Eucharistie. Thank you.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accomplis en nous, Seigneur très bon, l'échange que nous attendons de cette offrande pascale. Transfigure en amour du ciel l'amour que nous portons au monde par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant ce monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Christian Lépine, son auxiliaire Alain Faubert et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Outre tous nos défunts, cette messe est offerte pour la famille de Madame Diane Lompré. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux,
avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. De Jésus lui-même, nous tenons une prière que nous répétons d'un seul cœur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant ces épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau Heureux sommes-nous d'être les invités au banquet du Seigneur Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux, à cette heure, vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Nous invite à sa table. Alléluia, alléluia. Il vient parmi nous, prend du pain et nous sert. Alléluia, alléluia, alléluia. Accueillons le Seigneur. Dans sa main les sept étoiles, il a pris sur nous notre faiblesse et le poids de nos chutes. Il vient renouveler en nous l'amour des premiers jours et nous donne de goûter aux fruits de l'arbre de sa croix. Venez et mangez, le Christ nous invite à sa table. Alléluia, alléluia, il vient parmi nous, prend du pain et nous sert. Alléluia.
qui était mort et qui a repris vie. Il a connu nos épreuves, pris part à nos souffrances. Il vient parmi nous dans la gloire de sa résurrection. Il vient nous donner la couronne de la vie éternelle. Venez et mangez, le Christ nous invite à sa table. Alléluia, alléluia, il vient parmi nous prendre du pain et du sel. Alléluia. Accueillons le Seigneur dont la parole est comme une épée affilée. Il vient combattre en nous le péché et la mort. Il vient nourrir nos cœurs de la manne cachée. Il vient graver en nous le nom nouveau de son amour ressuscité. Venez et mangez, le Christ vous invite à sa table. Alléluia, alléluia, il vient parmi nous, prend du pain et nous sert. Alléluia, alléluia, alléluia. Pour cette joie d'avoir communié à la table du Seigneur, maintenant rendons grâce. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, et qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci de votre présence à cette célébration. Merci à tous les intervenants. Allons et demeurons dans la paix du Christ. Excellente journée.